en sortant d'une longue et douce rêverie, en me voyant entouré de verdure, de fleurs, d'oiseaux, et laissant errer au loin mes yeux sur les romanesques rivages qui bordaient une vaste étendue d'eau claire et cristalline, j'assimilais à mes fictions tous ces aimables objets et, me trouvant enfin par degrés ramené petit à petit à moi-même et à ce qui m'entourait, je ne pouvais manquer le point de séparation des fictions aux réalités, tant tout concourait également à me rendre cher la vie recueillie et solitaire que je menais dans ce beau séjour. Le soir approché, je descendais des cimes de l'île et j'allais volontiers m'asseoir au bord du lac, sur la grève, dans quelque asile caché. Là, le bruit des vagues et l'agitation de l'eau fixant mes sens et chassant de mon âme toute autre agitation, la plongeait dans une rêverie délicieuse où la nuit me surprenait souvent sans que je m'en fusse aperçu.
Le flux et le reflux de cette eau, sans bruit continu, mais renflé par intervalles, frappant sans relâche mon oreille et mes yeux, suppléait aux mouvements internes que la rêverie éteignait en moi, et suffisait pour me faire sentir avec plaisir mon existence, sans prendre la peine de penser. De temps à autre, naissaient quelques courtes réflexions sur l'instabilité des choses de ce monde, dont la surface des eaux m'offrait l'image, mais bientôt ces impressions légères s'effaçaient dans l'uniformité du mouvement continu qui me berçait, et qui, sans concours actif de mon âme, ne laissait pas de m'attacher au point qu'appelé par l'heure et par le signal convenu, je ne pouvais m'arracher de là sans effort. Thank you.
t'étais en ordre autour de moi quand j'étais content de tout ce qui m'entourait et de la sphère dans laquelle j'avais à vivre. Je la remplissais de mes affections. Mon âme expansive s'étendait sur d'autres objets et toujours attirée loin de moi par des goûts de mille espèces, par des attachements aimables qui sans cesse occupaient mon cœur, je m'oubliais en quelque façon moi-même. J'étais tout entier à ce qui m'était étranger et j'éprouvais dans la continuelle agitation de mon cœur toute la vicissitude des choses humaines. Cette vie orageuse ne me laissait ni paix au-dedans, ni repos au-dehors. Heureuse en apparence, je n'avais pas un sentiment qui pût tenir l'épreuve de la réflexion et dans lequel je pusse vraiment me complaire. Jamais je n'étais parfaitement content, ni d'autrui, ni de moi-même. Le tumulte du monde m'étourdissait, la solitude m'ennuyait. J'avais sans cesse besoin de changer de place et je n'étais bien nulle part. Thank you.
mortelle sur la terre. Rien n'y garde une forme constante et arrêtée, et nos affections qui s'attachent aux choses extérieures passent et changent nécessairement comme elles. Toujours en avant ou en arrière de nous, elles rappellent le passé qui n'est plus, ou préviennent l'avenir qui, souvent, ne doit point être. Il n'y a là rien de solide à quoi le cœur se puisse attacher. Aussi n'a-t-on guère ici-bas que du plaisir qui passe. Pour le bonheur qui dure, je doute qu'il y soit connu. À peine est-il dans nos plus vives jouissances un instant où le cœur puisse véritablement nous dire « Je voudrais que cet instant durât toujours » et comment peut-on appeler bonheur un état fugitif qui nous laisse le cœur inquiet et vide, qui nous fait regretter quelque chose avant ou désirer encore quelque chose après. Thank you.
Réduit à moi seul, je me nourris, il est vrai, de ma propre substance, mais elle ne s'épuise pas, et je me suffis à moi-même, quoique je rumine, pour ainsi dire, avide, et que mon imagination tarie et mes idées éteintes ne fournissent plus d'aliments dans mon cœur. Que me manquait-il donc pour être heureux? Je l'ignore, mais je sais que je ne l'étais pas. Je tombais dans tous les pièges qu'on creusa sous mes pas. L'indignation, la fureur, le délire s'emparèrent de moi. Je perdis la tramontane, ma tête se bouleversa. Et dans les ténèbres horribles où l'on a cessé de me tenir plongé, je n'aperçus plus ni lueur pour me conduire, ni appui, ni prise où je pusse me tenir ferme et résister au désespoir qui m'entraînait.
Aujourd'hui, il y a précisément 50 ans de ma première connaissance avec Madame de Varins. Ah, si j'avais suffi à son cœur comme elle suffisait au mien, quels paisibles et délicieux jours nous eussions coulés ensemble. Nous en avons passé de tels, mais qu'ils ont été courts et rapides. Et quel destin les a suivis? Il n'y a pas de jour où je ne me rappelle avec joie et attendrissement cet unique et court temps de ma vie où je fus pleinement moi, sans mélange, sans obstacle, et où je puis véritablement dire avoir vécu. Je puis dire à peu près comme ce préfet du prétoire qui, disgracié sous Vespasien, s'en alla finir paisiblement ses jours à la campagne. J'ai passé 70 ans sur cette terre et j'en ai vécu 7. Thank you.
Profitons du contentement d'esprit quand il vient. Gardons-nous de l'éloigner par notre faute. Mais ne faisons pas des projets pour l'enchaîner, car ces projets-là sont de pure folie. J'ai vu peu d'hommes heureux, peut-être point, mais j'ai vu souvent des cœurs contents, et de tous les objets qui m'ont frappé, c'est celui qui m'a le plus contenté moi-même. Je crois que c'est une suite naturelle du pouvoir des sensations sur mes sentiments internes. Le bonheur n'a point besoin d'enseigne extérieure. Pour le connaître, il faudrait lire dans le cœur de l'homme heureux. Mais le contentement se lit dans les yeux, dans le maintien, dans l'accent, dans la démarche, et semble se communiquer à celui qui l'aperçoit. Est-il une jouissance plus douce que de voir un peuple entier se livrer à la joie un jour de fête, et tous les cœurs s'épanouir aux rayons expansifs du plaisir qui passe rapidement, mais vivement, à travers les nuages de la vie? Thank you.
l'habitude de rentrer en moi-même me fit perdre enfin le sentiment et presque le souvenir de mes mots. J'appris ainsi par ma propre expérience que la source du vrai bonheur est en lui et qu'il ne dépend pas des hommes de rendre vraiment misérable celui qui sait vouloir être heureux. Depuis 4 ou 5 ans, je goûtais habituellement ces délices internes que trouvent dans la contemplation les âmes aimantes et douces. Ces ravissements, ces extases que j'éprouvais quelquefois en me promenant ainsi seul, étaient des jouissances que je devais à mes persécuteurs. Sans eux, je n'aurais jamais trouvé ni connu les trésors que je portais en moi-même. Au milieu de tant de richesses, comment en tenir un registre fidèle? En voulant me rappeler tant de douces rêveries, au lieu de les décrire, j'y retombais. C'est un état que son souvenir ramène et qu'on cesserait bientôt de connaître en cessant tout à fait de le sentir.